Eh bien les amis, on commence direct dans le match. C'est bien parti pour ce corner. Et on me dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse. C'est bien. Il faut combien de notes? Ça alors? Oui, c'est ça. Il s'agit du premier but en faveur d'Auxerre. Ça fait donc un but partout alors qu'on joue la 84e minute de jeu. Ouais, merci Laure et surtout, tenez-nous informés de la suite. Ouais, une bonne charge. Grosse tension pour ces 5 dernières minutes avec toujours ce petit but d'écart à préserver. Ouais, le pressing est efficace là. Oh, l'égalisation peut-être. Et la belle parade là. À ce corner, c'est peut-être leur dernière chance d'égaliser dans ce match. Le point de pénalty. Aïe aïe aïe, c'est mal tiré, une occasion gâchée. Eh oui, c'est une récupération. Un but, c'est pas grand-chose. L'équipe est toujours sous la menace d'une désillusion. Attention, on n'est pas sorti le feu d'artifice trop vite. Ouais, c'est bien fait, la bonne progression. Ah, le ballon est rendu. Lucas. Un bon appel le long de la ligne de touche. Un centre dans la surface. Bien fait, une bonne. Super intervention dans le Money Time. Ça permet à son équipe de se maintenir à une seule longueur. Il y a encore la place pour égaliser. C'est le moment choisi par le coach pour opérer ce changement. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Et le danger est éloigné. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Monetti. Ce sont les derniers efforts pour remonter au score. Est-ce que ça va suffire? Oh, la tentative! Et le poteau renvoie la balle, c'est pas fini! Et oui, le tir! C'est terminé, la fin du temps réglementaire et l'équipe en déplacement signe un bon succès. Wow! Par contre là je vais les jouer, hein. Je vais pas les simuler. Ce souci, si je les simule, bah, je vais en, pas en recevoir autant que je devrais. Prochain exercice. Ah franchement, mais non, mais c'est de l'abus.
Oh bah frère. Moi, si c'est pas cadré, moi ça m'arrange. Hein. Donc bon là. Bon, bon ça il cadre que quand ça l'arrange lui. Non mais frère, tu cales quand ça t'arrange toi. Ok bon. Non mais vas-y Je suis sur la balle, il la chope même pas. C'est une blague là. Oh ouais hein. Tu te fous de ma gueule. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. J'ai 30. Pas grand chose. Wesh. 3-1, mais non mais. Tu sais quoi, on va un peu tricher les amis. Oh bon, je sais pas si on peut tricher. Et le changement donc autorisé par l'arbitre pendant cet arrêt de jeu. Ballon pour lui donner place. Et le ballon part bien. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Je peux pas vraiment tricher. Hein. Oui, c'est bien fait. Il est passé. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. La fin du match est donc une journée à oublier après ce déplacement. 0 points de prix. Après la première victoire. Casse la tête là. Oh! Il n'y a toujours pas eu le tirage. Ah, moi je fais comme ça, au moins ça passe vite fait. Hein. Ouais, pendant l'arrêt de jeu, là, l'arbitre qui autorise le changement.
Et oui, il faut changer quelque chose dans l'équipe. Essayer avec un autre profil. Un corner qui est bien ajusté. Signale un pénalty qui a été sifflé sur une autre pelouse. Laure, est-ce qu'on peut avoir des précisions? Et oui, Benjamin, pénalty sifflé en faveur de l'OGC Nice et qui a été impeccablement transformé, très bien tiré en puissance et hors de portée du gardien, ce qui porte le score à 4-3. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Oh, la bonne frappe! Le but qui fait mal. Si je remporte le titre à la fin de saison, on va me dire j'ai triché. Voilà, j'ai été remplaçant, c'est pour m'aider à devenir. Bien anticipé, le ballon est intercepté. À devenir un titulaire. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon pour Angelo Fulgini. Oh, l'égalisation peut-être. Et il pensait. Et voilà, l'arbitre met un terme à la rencontre. L'équipe remporte cette victoire sur. Et d'un côté, moi je joue. En ça, je joue. Regardez comment je monte remplaçant. Un tirage de Ligue des Champions, allez. Allez, 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 allez. Ah. Non, c'est pas ça, bon, c'est bon. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fiche. Moi, ça aimé. Je trouve d'un côté, c'était abusé le truc. Toi, tu viens de l'Euro. Et déjà, t'as ça de marge de perdu. Et ensuite, ils t'enlèvent tout. En mode, t'es champion d'Europe, c'est bon, t'es. Désolé, les gars. Moi, désolé. Je veux bien, mais. Là, j'aurais même pas pu. Désolé. Je vais pas me chercher d'excuses, mais franchement, quand tu voyais ce qu'ils avaient fait. Ah, match décalé. Ah, entraînement. Et là, de toute façon, la ferveur de manager, quand t'en as besoin, elle est pas là. Hein. C'est ça le souci. T'as la faveur de manager, mais quand t'as la faveur de manager, elle est pas là. Hein. UEFA Champions League, tirage de groupe. Manager, tu moi. UEFA, tirage au sort des groupes. Bon, moi, je vais me retrouver dans un groupe. Oh putain! Mais non! Mais bah, si c'est bon, j'abandonne! Non, mais. L'Atlético. Milan et Porto. Mais what the fuck? Attends, comme ça, hop, hop. Oups. Voilà. Hop. Hop, putain. Et je vais jamais sortir de ce groupe, moi. Et c'est quoi? Calendrier. Ah, ça va, je. Ça va. En vrai, ça va. De toute façon, là, je vais jouer encore.
Vas-y, Clermont. Même Clermont. On perd. On perd, Guy. Qu'est-ce que tu veux sortir face à ces deux? Allez, jeu interrompu et donc place au changement demandé. Quand ça va pas, tu changes. Au moins, tu essayes. Et peut-être quelle égalisation. Oh, il y a une bonne occasion là. Oh, il arrête, mais le danger est encore présent. C'est dedans, le pénalty est transformé en toutes des contractions. J'en ai marre. Crevez-moi. Ah, le ballon est perdu. Qu'est-ce que tu veux que je devienne titulaire, sérieux? Le ballon est récupéré. Il peut frapper. Oh, la claquette pour dévier le ballon au-dessus. Magnifique. Eh mais clairement, ils ont quoi là et... Pour Zambrano, il faut tenter le coup, pourquoi pas. Oh, l'intervention du gardien, magnifique. Olé, le bon mouvement. Oh, le tir. La fin du temps réglementaire et c'est donc une défaite. C'est n'importe quoi. Non mais regarde ça, putain. Ah, ça m'énerve. Mais vas-y, je veux pas m'entraîner. Oh, je suis en train de m'énerver là. Vas-y, va au résultat, c'est bon. J'ai même pas envie de le faire. Ouais, j'en ai rien à foutre. Mais... Vas-y, c'est bon, j'en ai marre, c'est pas possible. C'est bon, je pars une semaine en sélection, je perds. Non mais c'est pas possible. Je perds tous mes points que j'ai gagnés. Et la faveur du manager. Vas-y, Raboulla. Non mais sérieux. Ah, dégage la souris, putain. Ah voilà, maintenant c'est bon. Ah, je suis saoulé, mais sérieux là. Vas-y. Et le jeu s'interrompt, c'est donc la possibilité pour faire un changement.
il peut conclure. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Ouais, le ballon est bien intercepté. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Et voilà un ballon qui est intercepté. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Oui, le long ballon. Oh, c'est un bon ballon ça. Et oui, c'est dedans. Bientôt la fin de ce match, mais en... Oh, le ballon qui est perdu. Et finalement, l'avantage ne profite pas à l'attaque. C'est terminé. L'arbitre siffle donc la fin de ce match. Et malheureusement, ça se solde. Ouais, je devrais être content de jouer à la Ligue des Champions, mais là, quand tu vois ça, t'as pas envie, regarde. 2-0. 2-0, t'es gardien, tu rentres à la 62e, ton équipe est menée 2-0, t'es gardien, tu peux rien faire. Ouais. Juste envie de péter un câble, c'est tout. Putain. Sérieux. Ah, y a un arrêt de jeu, là, c'est donc l'occasion de faire un changement. Ouais. Bien vu la passe. Ah, il va pas marquer. En retrait. Magnifique ce contre. Gianluca Mancini. Kerkez. Il faut combien de notes? 6,5. Excellent timing sur cette interception. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. L'arbitre laisse l'avantage. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque. C'est pas sérieux ce qu'il vient de faire quand même là. Et l'Olympique Lyonnais semble bien positionné pour s'attirer ses services. Et oui, la presse évoque une offre financière pour ce joueur.
Oui, il y a beaucoup d'agitation autour de son transfert. C'est normal quand on évoque ce genre de profil. Les supporters, la presse, les réseaux sociaux, tout le monde a un avis sur la question. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Oh oui, la frappe. Bonne intervention du gardien. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Ça va vers le point de pénalty. Il y a de la lutte à la tombée de ce corner. Ça passe de peu au-dessus. Peut-être une occasion à venir là-dessus. Très facile pour le gardien cette balle. Alors il y a contact, mais l'arbitre fait signe de jouer, de continuer. Il laisse l'avantage. Et ce ballon qui leur échappe. Kerkez. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. Et attention à cette frappe. Oui, bien fait de la part du gardien. Bien fait, très bonne protection de balle. Oh, la frappe au but. Ah ouais, c'était pas mal. Schürz. Kerkez. Il faut poser la question de la volonté, de la générosité. Ces deux buts de différence rappellent la différence des niveaux et d'un crucial. Et c'est bien donné dans la profondeur. Ah non, c'est un ballon rendu à l'adversaire avec ce hors-jeu. La passe était belle, presque trop belle même. On dit toujours que c'est l'appel qui déclenche la passe. Mais là, c'est l'appel qui a déclenché l'hors-jeu. Molina, un peu de liberté pour les coachs Jaunes et Roses dans le couloir. Le ballon pour Jonathan David. Le ballon en touche. Fofana. Oui, sans faute. La tête là, peut-être un centre. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Et voilà, le changement s'effectue. Ouais, bien frappé ce corner. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Et c'est une frappe. Et non, c'est pas fini. Plus qu'un but pour revenir dans ce match. Une minute de temps additionnel. Bentancourt. Kerkez. Allez, le ballon tourne dans leur propre moitié de terrain. C'est un moyen comme un autre de défendre un résultat. Ouais, c'est bien fait, la bonne progression. Une possibilité là pour centrer. La transmission vers Marcos Llorente. Avec Jonathan David. C'est repoussé par le gardien, oui. C'est terminé, la fin donc de cette rencontre. Et ça se termine donc avec une défaite. On imagine évidemment leur déception pour leur entrée en lice dans la compétition. Honnêtement, je m'attendais à pire.
être honnête avec vous, je m'attendais à pire. C'est pour cela que on va se retrouver. En plus, si vous regardez, Monaco a 8 points. On en a 6. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Voilà. Bon. Le troisième, il a 9 points. Même le deuxième a 10 points seulement. Il y a à peine 4 points d'écart entre le deuxième et le... Cette saison, je sais pas si on peut aller chercher le titre, vu que le PSG, là, il est en forme pour le moment. Mais ce qu'on peut faire, c'est bien remonter. Déjà, parce qu'on a récupéré la place de titulaire. Voilà. Donc... j'espère que la saison, enfin cette saison va être bien. Le titre ne sera toujours pas pour nous. Cette fois-ci, on est rentré en lice en compétition pour la première fois de notre histoire, hein. Par une défaite, mais malheureusement, hein, pour pas toujours gagner. Et donc, bah, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je sais, celle-là est courte, mais bon. Mon objectif était de jouer, de redevenir titulaire. C'est ce qu'on a fait. Et mon objectif était de le match en Ligue des Champions. Donc voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à la prochaine.